Bonsoir tout le monde. En fait, là, il y a une véritable bataille aux États-Unis. Elle est arrivée pour s'annoncer les générations, les 5G générations en matière de télécommunications pour relancer. Alors là, eh bien, toutes les aériennes ont mis deux mains en tête. Ils ont demandé à l'administration Biden pour les presser, Ils ont dit bien, immédiat. Pour qu'ils agissent, puisque c'est dans la semaine ça, ils ont supposé lancer s'annoncer les 5G network. Alors ça va passer. Les compagnies aériennes ont dit, depuis que ça a lancé, c'est que éventualité pour que moun k ap conduit al pa arrive tan de communication ou lè a batterie en d'autres termes pa gen interférence non ensemble bay ki vin fè que je dis qu'ils sont catastrophes vous écrit dans la mode clair si pa gen fait alors là pa gen catastrophe puisque et je crois mercredi dans semaine ça hein et des compagnies tant pour Verizon et TN je dis que tu as supposé lancer et 5G et ou la route là mais compagnie elle nous dit pour Biden intervenu parce que ça parle que véritable désordre représentatif de à peu près 10 carriers il a demandé lui non lettre et il dit faut ta fonti en fait il dit font reculer surtout tout près airport côté que fédéral aviation administration et flight restriction pour gain effet depuis technologie lancé et ou ka comprendre ça tout par contre plusieurs fois qu'on a avion même téléphone ou tout fermé on va comprendre et donc on dit bien sûr de manière générale toute compagnie ou vraiment inquiet sous pour signal par GIA gens de là qui va interférer avec technologie aviation inclus radar tout bail ça rivale fait là à travers après que ce soit pour passagers ou que ce soit pour cargo ou gagner monter marchandises à transporter workforce économie de manière générale en fait je dis c'est des bails incalculables si bah ça arrive et en fait ça on le dit vous voyez Biden pour nous comprendre bien c'est que commerce pour tout pays a tout simplement campé commerce pour tout pays a tout simplement campé donc pour monter urgence bail l'ETA qui dit discussion entre airline et télécommunication industrielle il continue en fait dans le moment où on a parlé là et pas oublier que vous êtes supposé faire déjà il dit le vous pour janvier et vous êtes d'accord pour faire et des en fait pour reporter du additionnel cette semaine ça a fini semaine ça a fini c'est à dire que semaine ça là vous êtes supposé lancer et vaste majorité mais ça vous dit vaste majorité voyage shipping bagage qui est essentiel yo prend exemple yo dit par exemple yo jour tant pour prendre exemple en matière de statistiques yo prend un jour côté qui gagne 1100 flight bien oui 1100 flight 100000 passagers tout bagage ça ou tap cancel 100000 passagers 1100 tout tap cancel diversion delay yo dit mais ça ca passer et on dit compagnie téléphonique pour couper commenter causer ça let's say que yo adressé par Maison Blanche et responsable transportation département fédéral communication et FFA OK il gagne des membres airline tant coup Alaska Airlines American Airlines Atlas Delta Airlines Hawaiian Airlines JetBlue Southwest United Airlines donc c'est FedEx là donne tout UPS connaît tout même tout et ils utilisent avion en pile pour transporter bail OK donc à ce là, on dit que hier soir, lundi soir, United Airlines voyait avertissement. Il dit c'est un impact dévastateur que ça va avoir gain sur l'aviation si ça nous les 5G a yo justement lancé tout pour airport. OK? Et Jean Dola, la brevette pour 5G signal capable interférer avec des équipements de sécurité pour pilotes là que que c'est sous ça le compter les pour les que ce soit pour les take-off que ce soit pour les atterri donc ça vous comprendre donc safety inquiétude pour sécurité capable justement gagner des restrictions importantes pour opérer OK FFA lui-même déclaré hier soir que il va continuer à assurer que voyage public yo fait en toute sécurité non, votre panneau va le déployer par ça. Et
Donc, c'est vraiment une situation qui fait peur pour un pile et ligne aérienne qui voit que c'est effectivement un fin business si et technologie 5G a lancé. Et j'en dis là, tout le monde voulait dire Biden, fuck li agir et pas car. Bon mouvement marché pressé qui dit pas qu'attendre, il n'y a pas qu'à attendre, puisque autrement, on parle de véritable des autres. Et ça crée l'industrie impliquée dans l'aide, ça, que vous voyez, Peter Boutier, nous connaissons, c'est ministre de communication et de transportation, et ainsi que des séries de haut placés, autorités fédérales, ok, et. Mais de ça, vous comprenez, c'est que 5G a utilisé un Internet use qui est les 6 bandes frequency. 6 bandes frequency, à son bagage qui est très close, presque même bagage avec aircraft pour mesurer altitude. Elle a eu des technologies capables d'interférer avec instruments et créer vraiment des séries de bandes de charge. Donc voilà, en fait, une crise là qui vient, vous comprenez bien. Et. Comment est-ce que la communication est même? Tout ça va dire là, et business, je lui dis, c'est pour et business sport. Parce que nous sommes dans le même secteur. Il y a même les femmes qui ont assez libre plus de capacité. Et je vais dire qu'il qui m'aime. Parce que ce n'est pas moi-même. Mais le problème, c'est que qui m'aime, non, il y a un problème parce que c'est une population qui parle et victime de cause de ça. Donc, les bagages volent, les marchandises pas cavalées, donc c'est tout le monde. Donc, il va falloir que, justement, ils fassent un petit campé au la route et 5G et pour permettre, bah, qu'on ait ça, parce que si c'est des mises en place, et si c'est des séries de sandari, des séries de bagages qui pour prendre contre-pied, qui pour empêcher le signal à interférer, donc, il faut que vous vraiment préparez avant que vous lancez 5G autrement. Alors là, j'ai envie de dire, et puis il y a pas le fond campé. C'est des vagues en circulation avion par vous, les marchandises de valeur, il y a pas le campé. Okay? Donc c'est comme ça que nous comprenons cause. Donc voilà, nous avons voté quelques analyses à vous. Pas oublier toujours été connecté avec Palmi Sakma.